Et salut à tous, on se retrouve pour cette 20e partie de Pokémon Source. On est dans le QG de la team Sierra, là où on s'était laissé la dernière fois. Alors je suis juste allé, avant de commencer cet épisode, j'étais juste allé voir en haut si je pouvais... Enfin, en haut. J'étais sorti du QG pour voir si je pouvais aller soigner mes Pokémon, mais non. Il y a ces trois qui nous attendent, donc on va leur parler. Je l'ai pas soigné. Ah si, j'ai soigné. Attends. Ah bah j'ai dû soigner les PV, je me rappelais plus. Voilà, on avait fait quoi l'épisode précédent? On avait libéré, comment elle s'appelle, Valora. On avait combattu Harry, qui est un peu le bras droit de notre mère, là, qui bah sûrement qu'il est amoureux, hein, c'est possible. Prêt à tout pour elle. Et puis voilà, on s'en avait un peu débarrassé de tout ça. Et là, on va à la poursuite de notre mère, qu'on n'a pas combattu, mais qui est allée en direction de quelque chose, avec les trois gemmes. Je crois que c'est ça. Elle est en direction de... Non, les trois gemmes, on les a récupérées. Bon, elle allait réveiller un ancien Pokémon, je sais plus. Bref, on y va. Bonjour. L'activité sismique. On a tracé... Bon, on l'a tracé. Et son origine vient du nord de Upest. Le nord... Ah, les anciennes ruines de Upest. Ok, donc on va se rendre là maintenant. Sierra doit s'y trouver. Attends, on doit rendre les gemmes avant. Oui, mais... Comment est-ce qu'on va être assez rapide? Tous les trois, les localisations sont loin. Il y a peut-être une manière rapide. Au moins pour l'un d'entre nous. Il me donne le Souldiou. Souldiou, c'est... comment c'est en français? C'est Rosé Âme, c'est le truc de Latias ou de Latios? Qu'est-ce que c'est? Durant ces trois dernières années, j'ai vu beaucoup. J'ai voyagé à travers le monde et j'ai rencontré beaucoup de choses. Est-ce que tu connais le concept des Pokémon légendaires? Les Pokémon légendaires? Pas sûr... tu vois, il y a certains Pokémon vraiment puissants que tu ne trouveras pas dans la nature tous les jours. Ce sont des espèces spéciales qui sont rarement vues et on considère qu'elles sont même uniques. Pour faire court, il y a... Oula, pourquoi? Mince, attendez, j'ai mon écran qui est parti d'un coup. Il y a seulement une espèce de Pokémon légendaire dans la nature qui vit sa vie. Bon, ça, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais c'est incroyable, pourquoi? Je suis désolé, mais mon jeu part tout seul. En plus, il y a une image noire. Non, c'est bon. Pourquoi c'est parti? L'ordinateur me fait des trucs bizarres. They are usually way... Ils sont plus sentient, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils sont différents des Pokémon normaux. Certains sont considérés comme des dieux. Je vois. Tu sais beaucoup de choses à leur propos. Tu en as, toi? Tu peux pas juste les attraper. Ils te rejoignent s'ils décident que tu le mérites, tu es l'élu. J'en avais un, mais bon, peu importe. Voici la rosée âme. Si tu la tiens fermement et que tu te concentres, tu pourrais être capable d'appeler le Pokémon légendaire Latias. Mais attends, et si tu l'as, pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas? Comme j'ai dit, tu ne les choisis pas, eux te choisissent. Et apparemment, ils veulent pas trop de moi. Allez, vas-y, essaye là. Et nous, on va réussir ou pas? Je pense que oui, j'imagine, sinon, bah en fait... En fait, c'est terminé. Donc j'ai juste besoin de me concentrer en la tenant et je peux l'appeler. S'il pense que je le mérite. If he didn't like me. S'il n'aimait pas Mika, pourquoi est-ce que moi j'y arriverais? Ah, c'est le cri de Latias. Il y en a, je vous jure, qui arrivent à reconnaître les cris. Vous êtes assez nombreux peut-être même. Il y en a qui arrivent à reconnaître les cris de Pokémon. Ça, c'est incroyable. Dingue, tu as réussi à l'appeler. Donc il peut appeler des dieux comme ça? Waouh. Calme-toi, Frio. Comme j'ai dit, c'est son choix. À Latias, en parlant de Latias, j'imagine. Latias atterrit calmement. Et il regarde Asher. Qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? On dirait qu'il te fait confiance. Il attend probablement que tu lui prouves ta valeur. Lui prouver ma valeur? Mais comment? Ce n'est pas évident. Et bat-le. Ouais, ok, il a sûrement raison. Tu dois prouver ta force. Je vois. Bon, si ça peut nous aider, alors allons-y. On doit combattre, attends. Oui. J'allais dire qui j'ai en premier. Mais en fait, j'ai un seul Pokémon. Donc, il est premier, il est dernier. Il fait toutes les positions. On peut fuir ou pas? Ah, il me balancerait pas une attaque psy, lui, quand même. Ah, il est dragon. Ouais, le plus logique, déjà, c'est de faire flash canon. On va peut-être faire un work up. Ok, je suis plus rapide, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Surf. Ça va, surf. Oh ah ouais, mais il y a la... Super mal. Attends, mais le coup d'avant, il m'a fait combien? Attends, là, 89 de dégâts. Là,
94 de dégâts. Ah oui, mais je... Mais écoutez, je vais utiliser tous ces surfs. Il y a combien de PP dans le surf? Il y en a 15, je crois. Et ben on va le faire. Tant pis. J'ai... Il y a que ça. Et il va me faire... 99. Ah, je peux le tenter. Hein. Je peux tenter un flash canon. Ah, je fais pas la moitié. Oh, je vais le soigner. Je vais le re-soigner jusqu'à qu'on ait un peu de... Ah, critique. Jusqu'à qu'on ait un peu de chance. À 90. C'est risqué, hein. Il peut nous... Plusieurs fois, il nous a fait plus que 90. Ok, là, on attaque. Ok, vive les potions. Vive les potions. Heureusement que j'ai pas fait ce challenge avec interdiction d'utiliser les potions en combat. Je l'ai fait. Est-ce que tu me fais confiance maintenant? Je l'ai fait. Impressionnant. Allez, viens. Assieds-toi sur son dos. Salut. Je suis conducteur de la Thias. Il fait complètement confiance à Asher. Intéressant. Asher, donne-moi ainsi qu'à Frio deux des gemmes. On va aller les rendre. Toi, tu vas aller à Solar Island avec le troisième, vu que c'est le plus loin, la destination la plus loin. Ok, j'ai compris. Et on se retrouve à Jarrowtown après, hein, aux ruines. Frio, s'il te plaît, prends Valora avec toi pour aller tout de mainland, pour aller sur dans la métropole, quoi, sur la terre principale. Ok, j'ai compris. Et Valora, s'il te plaît, appelle papa et Ivo pour leur dire de venir à Jarrowtown. Jarrowtown aussi. Très bien. Sois prudent. T'inquiète pas. Allez, j'y vais. A plus tard, tout le monde. Oh, on part comme ça. Ah, c'est la carte. C'est la carte de la région. On alors, sort, je sais pas, j'ai déjà vu ce mot plusieurs fois, je sais pas ce que c'est. On vole, quoi. On vole très haut, au-dessus de Upest. En chevauchant la Thias, on peut voler dans n'importe quelle destination. On n'a rien de temps. Les rouges, les carrés rouges, verts et bleus montrent où des settlements, ou les villes, quoi, en gros. Et les points violets marquent les points spéciaux d'intérêt. Sois prudent. Et des Pokémon se trouvent même au-dessus des nuages. Les Pokémon volent. Pourrait sortir des nuages. Soyez prudent. Très bien. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Enfin, que tu as besoin de savoir. Maintenant, volons jusqu'à Solar Island. Ok. Ah, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, il y a des nuages encore plus haut. Solar Island, je sais pas où c'est. Attendez. C'est où la carte? C'est là-dedans, non? Ouais. Dans le map. Ça fait longtemps que j'ai plus ouvert cette carte. Solar Island. Oui, une île, c'est pas ça? Ouais, c'est le plus loin. Est-ce que c'est au même endroit sur la carte? Ce serait en haut à gauche. Ok. Non, je suis à Solar Island? Ah, mais est-ce que... Non, je sais pas si j'ai un Pokémon là. Après, si c'est un endroit où on avait déjà utilisé une gemme... Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, on va voir... Bon, les niveaux des Pokémon. 23... Ah, je pense que j'en ai déjà attrapé un, tant pis. De toute façon, niveau 23, je vais faire quoi avec ça, tant pis. Je vais mettre des repousses, du coup, comme on n'a peut-être pas trop besoin des Pokémon sauvages. Ça, c'est quoi? Le cristal brille d'une lumière bleue comme le ciel, tout simplement. Ok. Ok, il y a à gauche. Il y a à gauche. Là, ça va où ensuite? Solar Island. Je pense pas que... Non, on a peut-être pas besoin de faire surf. Je sais pas. Ah, là. Par là-bas. Ok. Solar Island. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette boîte bizarre qu'on trouve sur le sol? Elle a l'air vieille. Ok. Ok, donc on s'en fiche. On avait où? On avait encore un petit peu à droite par là. Oui, ouais, on va remettre un repousse, bien sûr, bien sûr. Ok, encore un cristal. Je vais un peu au pif. Très bien, c'est souvent prometteur quand on a une sortie. Ah, la musique change un peu. Ça arrête les escaliers. Les escaliers dans Pokémon, c'est toujours très positif, généralement. Mince, pardon, c'était quoi? Ah, j'ai remis la gemme. Ah non, non, c'est vert, j'avais la gemme verte. En fait, vous voyez dans le petit mini-montagne, là, le petit tas juste devant nous, on a un rond vert. Je pense que c'est notre gemme. Je pense pas que ce soit l'herbe. La voix, il y a une voix en écho. Asher, Asher, la boîte va te montrer le chemin. Qui est là? Le combat is drawing. Wait. Pour moi, drawing, c'est dessiner. Mais là, is drawing closer et closer. Ça va être juste se rapproche. Il va se jouer très bientôt.
trouve la boîte qui guidera ton chemin. D'accord? Ça va être la boîte qu'on a vue tout à l'heure. Au nord, nord, nord. Je devrais trouver. D'accord, bon, la boîte, du coup, on sait où elle est. Elle était par la gauche, là encore un petit peu à gauche. Et on montait par là, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, on lui a parlé, ça n'a rien fait. Ah oui, il fallait faire l'événement avant et après revenir ici. D'accord. Est-ce que c'est cette boîte? Ce rayon de lumière, il pointe le sommet d'une montagne. Attends une minute. Est-ce que ce n'est pas Jarotand là-bas? Les ruines anciennes de Upest. Ciara doit déjà s'être rendue au sommet de la montagne. Si cet ange est quelque part, c'est sûrement là-bas, je dois me dépêcher. Soaring, bon, ça c'est Soaring, c'est en gros invoquer Latias, a été ajouté au menu du Hufons. Choisissez l'option Soaring pour appeler Latias. Ouais. De toute façon, notre Lucario il vole pas donc. Donc oui, on va faire comme ça pour s'envoler là-bas. Soaring, je sais pas où c'est. Je sais vraiment pas où c'est. Alors, je peux aller peut-être voir Eclipse Square? Non. Route 14, non. Ore Factory, non. Amor City, non. Divan Paquet. Destino, non. Galinor City. Galinor City, toujours pas. Solar Island, c'est là où on est, j'ai oublié. Et bien, non, mais c'est sûr, ça va être la dernière que je vais tester. Alors, j'aurais pu sûrement aller sur la carte. La chercher plus rapidement. Mais au moins, on s'amuse un peu avec le Latias. C'est quoi déjà? C'est Jarotand que je dois trouver. On n'a pas débloqué ça. On n'a pas débloqué ça. Mais... Bah... Bon, on peut... Ah si, on peut avoir... Non mais attendez, je suis dingue ou... Non, on va utiliser... On va utiliser la carte. Où est cet endroit? Non, ça, on a testé tout ça. Orin. Or Factory. Ah bah... Jarotand, c'est... Un peu en haut, quoi. Par là, j'ai fait ça. Oh, et tout Raptor. Oh, attendez, je suis où là? J'ai le droit de l'attraper? J'ai totalement le droit de l'attraper? Non, je suis dans le ciel quoi. Je sais pas. Je sais plus ce que c'est comme zone. Franchement, dans le doute, je l'attrape. Si je vois que c'est une zone que j'ai déjà, je l'enlève. Mais franchement, dans le doute, je l'attrape. Je vais peut-être mourir par contre. Peut-être mourir avant de réussir à l'attraper. Oh, il a aéropiqué. Point feu, je mets. Ah, j'ai 26 niveaux de plus que lui quand même. Ah, j'ai trop peur, j'ai trop besoin d'un Pokémon. Franchement, je tente de l'attraper. Avec Hyper Ball. 1, 2. Dommage. J'ai peur qu'il me sorte des attaques du futur, genre Rapace ou Close Combat, quand même. Ok. Oh, il se blesse, écoute, je blesse un petit peu. Je prends pas trop de risques. Je le reçois de temps en temps, même s'il me reste pas mal de vie. Mais Close Combat, il me défonce Close Combat ou pas? Je réalise pas. Allez. 1, 2. Aïe aïe aïe. Ok, on en fait encore une et après on se soigne. J'ai trop peur. Hein? Non. Ah non. Ah, ah c'était sur le ciel en plus. Ah j'aurais pu la voir, c'est sûr. Je suis quasiment sûr qu'on a jamais fait cette zone. Trop triste. Ok, Jarotand, bon, c'était bien ici. Trop triste cette histoire. Bon, je te soigne. Ça me dit quelque chose cette ville. J'ai l'impression que je m'en rappelle, ce bonhomme avec un mangriffe, il nous donne une mission, je crois. Bon, c'est... Je suis dégoûté. Etouraptor, ça aurait été dingue. Alors là, il avait des attaques... je sais pas s'il avait que aéropiqué, mais il peut apprendre des attaques dingues. Ça aurait été trop bien. Trop dommage. Bon, tant pis. On va acheter un peu des trucs. J'ai 105 000, c'est énorme. Je vais acheter... Ouais, je vais acheter quelques guérisons, quand même. Je sais pas si j'en ai besoin de temps. Pour les combats, ça peut sauver. 32. Oh, mais c'est cher. Non, j'en ai acheté 12. J'en ai acheté 12. Et... Ah, il faut que j'achète quelques antipara. Attends. J'en ai acheté 39. Et antipara, c'est où, ça? Full heal. J'en ai acheté 13. Et je vais acheter des hyper balls avec ce qui me reste. Voilà. Et alors, je peux vendre plein de choses. Non, mais je ferai une prochaine fois. Avant une vidéo, je vendrai tous les objets un peu qui me serviront jamais. Et on verra. Mais là, non, pas besoin. Ok, je dois faire quoi? Ah oui, je dois aller à la montagne. C'est où ça? La montagne. Par là, non? Ah, peut-être ça là-bas. Il y a une entrée de grotte. Donc, peut-être le début de la marche. Est-ce que c'est ça?
Les ruines anciennes de Upest. Les ruines anciennes de Upest. Attendez, il va y avoir des Pokémon là-bas. Attendez, je vais juste vérifier. Enfin, attendez, de toute façon, vous regardez la vidéo, vous allez faire quoi? Je vais juste vérifier que j'ai jamais attrapé de Pokémon là-bas. Pour savoir si j'ai l'autorisation. De toute façon, on va voir avec les niveaux. Niveau route 2, mon Guerana, je me souviens plus de tous ces endroits. Mais c'est possible qu'avant cette route, là, le montagnard, ça me dit quelque chose. Je crois que le montagnard qui était devant bloquait la route avant, non? Route 6, route 1, route 12, Destinomine, route 4, route 11, Destinomine, route 7. Oula. Attendez, j'ai plus mon jeu dans les yeux. Ah, il y a une potion. Je peux lui voler sa potion. Route 8, j'avais eu un aéromine, je m'en souviens même pas. Là que je me souviens, lui je m'en rappelle un petit peu. Ah, lui, oui, je m'en rappelle. Ouais, toi, je m'en rappelle aussi. Ouais, ok, non, on peut en prendre un là-bas. C'est bon, on peut en prendre un là-bas. En fait, on va voir les niveaux. Si, en fait, je pense que si on voit que les Pokémon sont niveau pas beaucoup, c'est sûrement qu'on est passé par là. Si son niveau. Je sais pas combien vont être niveau. Bon, on va voir. Moi, je pense qu'on peut. Franchement. Oh, coucou. Je pense qu'on peut. Oh, merci, mon Dieu, tu vas bien, mon fils. Ne refais plus jamais ça. T'inquiète pas, papa, je vais bien. Et regarde, Valora est de retour. C'est celle en bleu, Valora? Ça, c'est notre père, ça me dit quelque chose. Elle m'a tout raconté. On a eu de la chance de vous retrouver. Je serai plus prudent à partir de maintenant. Asher? Coucou, c'est moi. J'oublie des fois que c'est moi, Asher. Je croyais que c'était mon père. Non, notre père, il s'appelle Papa. Pour tout le monde, il s'appelle Papa. Non, il s'appelle comment? Il s'appelle pas. Enfin, on verra. J'étais tellement inquiète à propos de toi. Ne refais plus jamais ça. Bien, je ne prévois pas d'être à nouveau kidnappé par Ciara, hein, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est pas le plan d'avenir quand même. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Un groupe de sbires est apparu. Des hélicoptères ont commencé à voler de partout. Ils sont en train de marcher dans les ruines. On doit y aller. Ciara est probablement au sommet. Où sont Mika et Frio? Ils ont dit qu'ils partaient devant et qu'on se retrouvait là-bas. Très bien, on va y aller aussi. C'est parti. Yes. Alors vous êtes où? C'est parti, ils sont plus là. Ça a une signification, ces trucs-là? Une lumière majestueuse, qui est autrefois venue pour nous détruire, brillera dans 4 millénaires. Ok, ça peut être qui, ça, comme Pokémon? C'est un ange qui a transformé l'obscurité de la nuit en un soleil resplendissant. On peut dire ça comme ça. Ok. Bon, on va avancer, on verra si on a un Pokémon sauvage. On a un Pokémon sauvage. Attendez, y en a pas? Ah oui, ça va être des Pokémon glace après. Oh, les Pokémon glace, ça peut être bien. Pas de Pokémon ici? Pas de Pokémon. Non, y a pas de Pokémon, hein. Ça m'a l'air d'être assez clair. Et bah, Pokémon glace, ça peut faire de l'entraînement à fond pour Lucario par contre. Bon, allons-y. Et par contre, on va avoir plein de combats, non? Ah! Quoi? Comment il s'appelle? Quoi, Farel? Ok. Non, je vais le défoncer si je l'attaque. C'est ça le problème, il est trop fort en fait. Lucario est beaucoup trop fort. Nest Ball, là. Pour les Pokémon faibles. Ça a marché sur toi, non? 1, 2, 3. Oh, il est faible, j'ai attrapé un Pokémon faible. On va t'appeler. On va pas te donner de nom. Non, je donne plus de nom. Alors, est-ce que t'es bien ou est-ce que t'es. T'es bon en défense spéciale, en attaque, il est un petit peu rapide. Il est vite fait rapide, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Pff, les attaques sont nulles. Alors il a charme, ça c'est quand même cool. Ça fera un bon sacrifice. Non, je peux lui donner quoi? Ils sont nuls ces attaques. Façade. Si c'est façade, ça peut être bien ça. Façade. Flair, secret power. Oh, c'est quoi ça? Mais ça correspond pas à la description. J'enlève take down. Work up. Ah, pour augmenter. Ah, il peut pas la prendre, dommage. Ok, peut-être un petit rock tombe, il peut apprendre. Non, il peut pas. Un petit tunnel. Non, il peut apprendre tunnel. Odor Sleuth. Non. L'empêcher d'augmenter, ça. C'est quoi son esquive? Laisse tomber. Ok, maintenant je peux les mettre KO. Je peux les mettre KO. Oh, il a. Oui. Ah, par contre, il est en défense, il va être bien, puisqu'il y a ce truc là où il peut baisser les dégâts, j'ai l'impression, des attaques. C'est pas mal ça. Il a pas mis KO Dino, comment Bastiodon du premier coup. Ouais, par contre, je sens là qu'on va avoir plein de combats. Je vais pas traduire les petits dialogues avant à chaque fois. Au sommet! Bon, là c'était rapide. Coucou à la Kazam. Flash Canon. Un peu peur.
ça, il nous a pas fait je ne sais pas quoi. Bronze ongle, non, on va laisser. Je sais que l'autre il faut le faire combattre, mais il est niveau 41. En face, niveau, niveau 49, là on peut peut-être le tenter. On va remettre Ferfi. On va remettre clairement Ferfi. Écoutez, il aura été là pendant 2 secondes. Il aura participé au combat. Réuniclus. Ça, je sens pas. Voilà, Future Sight. Ok, un petit work-up. Donc, il a encore fait Future Sight. Flash canon. Et il est KO avec la graine. C'est bon. Et on a quand même pris l'attaque. Ah, ça, c'est salaud. Alors, je les soigne. Je pourrais aller au centre Pokémon, mais il est loin. Non, on va juste les soigner avec Hyper Potion. On va attendre un petit peu avant d'aller au centre Pokémon. Il n'ira pas plus loin. Ludicolo. Bah, l'autre, je peux peut-être le mettre rapidement, l'autre. Ah, ce que ça fait comme expérience. Secret Power. J'ai fait séisme. Attends, c'est quoi? Oh, coup critique. Ah non, c'est lui qui me fait séisme. Ah purée. Pardon. Non, il peut. En tout cas, il peut le mettre KO. Petit façade là. Oh, coup critique, bien joué. Chief Tree. Ok, on va tenter avec Chief Tree. On va faire façade. Façade, ça fait quand même mal s'il est bon. Oh non. Oh non. Ah ouais, mais c'est une attaque super forte. J'ai 9 niveaux d'écart. Bon. Mais je l'ai même pas rajouté sur le fond. Il est déjà parti. C'est... Faudra quand même que je le mette dans les Pokémon disparus. Mais là, je vais continuer un peu à combattre. Ah, j'ai pas réfléchi. C'est vrai que j'étais dans mon délire de vouloir l'entraîner. J'ai pas trop réfléchi. Vous savez quoi, on va continuer. Lui je le sens pas, on va mettre un petit Fire Punch. On va continuer jusqu'à qu'on ait plus de PP. On soignera avec Hyper Potion, mais on va continuer avec Lucario. Je pense pas qu'on ait trop à craindre. Juste un tout petit work-up. Et je pense que ce sera bon. Comme il y a 4 Pokémon, je préfère être au point. Ok, très bien. On les enchaîne, hein. Il y en a encore un paquet qui nous attendent, je pense. Et au revoir. On va peut-être le soigner un coup. Ouais, 77 PV en moins, c'est quand même beaucoup. Salut. Et d'accord, elle nous a dénoncé. Petit work up. Ok. On pourra se faire. Ah, pas KO. Et Fire Punch pour la blague. Tentacruel. Tentacruel, Flash Cannon. Pas terrible. Fait un petit peu peur, lui, avec son Brain. Là, je sais plus ce que c'est exactement. On pourra se faire. Ouais. Critique, on a eu un peu de chance. Très bien, continuons. Salut. Honnêtement, je suis ici an omni here for the cut. Ah, pour le... ça doit vouloir dire un truc comme pour la promotion, le petit bonus qu'il aura d'argent, quoi, quelque chose comme ça. On gagne énormément d'argent. Ok, on arrive... Ah, on aurait pu avoir enfin furé, c'est sympa, ça. On arrive vers une grotte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour avant de m'introduire plus profondément dans cette grotte. On va aller faire un tour au centre Pokémon et je rachèterai un peu des potions. On a récolté vite de l'argent. Full heal. Voilà. Toi, tu prends un flash canon et tu... Ah ouais, il résiste. Ah mais oui, il est type haut et acier sur haut, ça fait je sais plus quoi. Je crois que là, logiquement, on retombe sur notre chemin. Ouais. Non ? Si ? On vient de là. Hein. On vient de là, je crois. Oui, je mets KO. On vient de là ? Ah non ? Ah non, on vient pas de là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais faire une petite pause. Je vais aller me soigner. Ok, je reprends là. On avait la première grotte. Il y avait une deuxième là-bas. On va aller dans celle-là, la première. Ok. Ah, c'est quoi? C'était 07. Je suis allé un peu vite, désolé. C'est. Ah, grêle. Super. Vraiment super tout ça. Ah, mais à chaque fois, mon écran il part. Je comprends pas pourquoi. Donc on avait la deuxième grotte, on va aller là-bas. J'en ai pas fait en plus, j'ai mis quelques Pokémon comme ça, un peu KO. Sinon rien de spécial. Hein. Rien de spécial. Allez, on est parti. Ouais, il y avait une petite pépite, un petit quelque chose. Ça continue, c'est toujours juste des combats. Toi, work up. Non, ça va. On va. Petit flash canon, elle aurait pu me faire un coup critique. J'aurais dû peut-être l'enlever quand même. C'était pas le plus prudent que j'ai fait. Et Sylvéon. Je vais me soigner. Okay. Où j'ai racheté des hyper potions, j'en ai plein. Moonblast. Ouais, ok. Non, je voulais pas faire. Avec Flash Canon, je le mets KO, je pense. Okay. Juste avant d'être endormi.
Ok, allez, par là. Yeah. On a pris le bon chemin. Je pense qu'on a pris le bon chemin. Mince, on est toujours... Ouais, Upestian Ruins, on est toujours là. J'allais dire, j'ai peut-être gâché un Pokémon. Jarotan. Or Arcandy. Eh ben, ouais, on lui donnera... Ah mince, j'ai oublié de l'enlever, lui. J'avais oublié. Bon, je l'utiliserai pas, évidemment. Je ne l'utiliserai pas. Ah, je devrais peut-être conserver mes PP, quand même. Après, j'ai besoin d'entraîner. J'ai un seul Pokémon, même s'il a plus de niveau. En soi, je peux pas faire autrement. Genre, il y a des combats que je suis obligé de faire. Ceux-là, il y en a que je pourrais éviter, c'est vrai. Mais... Voilà, c'est que j'ai pas, même pas utilisé de super moment. Peut-être que... Ouais, si je l'utiliserai, j'ai qu'un seul Pokémon quand même. Faut que je sois... pas bête. J'ai déjà été énormément dans cette série. Faut que j'essaye de ne plus l'être. Voilà. Oula. Oula, c'est quoi cette, c'est quoi ça, Colossinge? Oh, c'est quoi comme objet qu'il a utilisé? C'est sa capacité spéciale, il a quoi? Eh bien, je sais pas ce que c'est qu'il a utilisé. Et ça a l'air trop bien. Cette baie, attends, il faut que je vois. C'est quoi cette baie? J'en ai encore ces baies, en tout cas, qui a l'air d'avoir baissé des attaques super efficaces. Fire, électrique, ouais. Ah, fire, je peux lui donner. Je peux lui donner une fire au cas où on met. Au cas où on essaye de me brûler la figure. Allez, on met. Tant pis pour 40 PV. Franchement, j'ai tellement peur. Oh, ça aurait été drôle, un petit Kemors dans l'équipe. Oui, on essaye d'aller plus haut, si j'y arrive un jour. On a combien? On a 26 minutes. Ok, on va continuer. Hein. Ah là, je sens que l'attaque aura sphère, elle est dans le jaune. On va pas tarder à aller se remettre d'aplomb. Ouais, je vais aller faire un petit tour, je pense. Purfou, salut. Niveau 70, bravo. Il y en a une là. Ou ça, tueur. Non, lui en plus, je l'aime pas. Ok, je vais aller faire un petit soin. Ok. Parti. On était par là. Ah, je vois qu'il y a un truc en bas. J'ai vu une sortie de grotte. Ah ouais, mais... Ah, mais y a un truc à sauter. Moi, ça me fait peur quand on peut plus faire de demi-tour. Ok, on est où? On est jamais allé là? Salut. On est... Oh, non. Bon, c'est pas si grave. Ah, tant pis. Qu'on refasse ça. Ah, j'aurais pu y penser. C'est pas bien grave. Donc, en tout cas, on sait que c'est pas par là-bas. On était pas très loin. Alors, j'ai mis un repousse, c'est beaucoup mieux. Elle veut quoi? Honnêtement, je n'ai aucune idée pourquoi nous faisons tout ça. Tous mes amis ont rejoint Sierra pour avoir de l'argent facile. Et j'ai senti que je devais les suivre. Mais bon, qui sait vraiment. Ok, donc toi, tu es juste là. T'es là. Tu bouges pas. Ok, c'est ça. C'est pas un gros piège, ça va. Ça ne fait pas perdre énormément de temps. Même ça nous en fait gagner, je dirais. Salut, attaque surprise. Ok. Au revoir. Ok, on va passer par là. Salut. Oh, bah tant pis. Écoutez, je me dispense d'un combat. On n'a pas fait. Comment on a pu? On a réussi. En allant rapidement, on a réussi à l'esquiver. Me fait peur. En fait, les Pokémon de combat me font peur. Ça va, il est pas plus rapide. Mais bon, il est pas super défensif non plus, normalement. Ah oui, du premier coup. Très bien. Ok, on sort enfin. On est bientôt arrivé quelque part. Non, toujours pas. Salut. Si proche et si loin. Ouais, si tu le dis. Ok, pareil, aura sphère. Non, ça va. J'ai cru qu'il me faisait une attaque type glaciation. Là, j'aurais été un peu triste de perdre sur une attaque comme ça. Oui, on met des repousses. On met des repousses, bien sûr. Hein. Je veux plus de Pokémon sauvage. Allez, on y est presque. On y est presque. Point feu. Au revoir. Franchement, si on arrive là-bas dans pas longtemps, je suis pas obligé de retourner me soigner. J'ai encore beaucoup de PP. Ça va. Et puis ça va pas me mettre trop en danger normalement. Point feu. Oh, j'aurais pu faire même attaque acier pour être sûr. Ok, on continue. Donne tous 5512. C'est peut-être un mot de passe. Brr. Ok, toi tu dis quoi? J'ai 137 de PV. Non, ça va. Ouais, il est faible face à ça. Je vais me soigner. Toi, je vais me soigner. Flare Blitz. Attendez. Bah là, je vais... Là, en fait, il m'a fait Flare Blitz, quoi. Donc... Faut que j'attaque. En fait, ça m'a fait beaucoup de dégâts avec la baisse...
Avec ça, ça m'a fait beaucoup de dégâts avec la baisse de la baie. Ah mais non, mais je meurs s'il m'attaque. En même temps, si je me soigne, est-ce que je survis? Mais est-ce que je le mets KO là? Je sais pas s'il est bon défensivement. Oh, je le mets KO. Allez, on va croiser les doigts sur ça. On va dire qu'on le met KO. Très bien. On l'a mis KO. Il m'a fait un peu peur. En fait, je sais pas si vous voyez mon interrogation. Si la baie que j'avais utilisée, c'est une baie... Alors vraiment, je l'ai mis un peu au hasard. C'est une baie qui réduit les dégâts des Pokémon de type feu. Donc... Oh, oh purée. Heureusement que je suis type acier. Allez, au revoir. Donc, le problème, c'est que... Ça veut dire que sans... Ah ouais, je peux pas enlever ça. Sans la baie, je mourrais, non. Non, franchement, c'était... Je pense qu'on est passé... On est passé pas loin d'une petite catastrophe. My partner, ouais, qui est ton partner. Qu'est-ce que je fais contre lui? Lui, il peut nous embêter, hein, aussi. Il nous fait des séismes. Ouais, ou des séismes, des trucs comme ça. Earth Power, on lui laisse un peu perdre de la vie. Ouais, voilà, ça. Le petit coquin. Le petit coquin. Ah, j'ai peur. Petit work up. Allez. Earth Power, ça va. Ah, il nous a baissé les stats. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa, c'est vrai. Donc, on va continuer un peu de se soigner. En fait, acier contre sol, ça fait quoi? Ah, j'ai trop peur. Franchement, je me la joue gros lâche. Ouais, je pourrais bientôt attaquer là quand même. Ah! Allez, au rasphère. Ouais, franchement. Ah, j'ai vraiment eu peur. Allez, merci les hyper potions. Hein, merci énormément. Bon, on arrive un de ces jours ou pas? Ça serait sympa, toi, t'es qui? Work up? Ouais, ouais, c'est pas grave du tout. Aura sphère. Quoi? Non, je vais pas refaire parce que ça marche pas. Coup critique, très bien. Mais pourquoi je l'ai pas pu l'attaquer? J'ai pas compris ça. Ok. C'est parti. Allez, on va récupérer ça. Un max rappel! Ouais, ça me servir de fou. Eh ben, il n'y a pas de retour en arrière à partir d'ici. Non, je suis pas prêt. Mais non, mais j'irai le soigner. Ouais, c'est là. Alors, c'était beaucoup de combats. C'était beaucoup de combats. Franchement, c'était beaucoup de combats. Mais on va se laisser là quand même. Il n'y a peut-être pas besoin de l'entraîner. En fait, je pense qu'on est parti pour longtemps après. Mais j'essaierai de publier ça le même jour pour que vous ayez la suite pas longtemps après, mais que ça fasse pas trop une énorme vidéo. Ah, est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le soigner? Ah, y'a rien. J'ai un élixir ou pas? Ah, écoutez, je vais y aller. J'ai envie d'y aller. Ça fera un gros épisode, c'est la vie. On a plus ça sur YouTube. Mais j'ai pas d'élixir. Allez, on va juste mettre sur Fire Punch. Et puis, je peux lui mettre une baie au moins. Baie cerise, ça peut être pas mal. Ouais, de toute façon, même si je vais faire quoi, je vais pas l'entraîner jusqu'au niveau 80. C'est parti, je suis prêt, ouais. Non, non, Marie, chef de la Sierra, c'est aujourd'hui que nous mettons un terme à tout ce chaos. Oh, on dirait que l'unité de défense a échoué. Ah, ces imbéciles. Non, ça peut pas continuer. Ce que tu fais, c'est mettre le monde en danger. Flo, Harry, les sbires, occupez-vous d'eux. Hey Flo, que dirais-tu de nous occuper de HR ensemble? Excellente idée. Il ne peut pas nous battre tous les deux. Allez, on va s'amuser. Oh, mais attends. Ah non. Quoi? Quoi? C'est incroyable. Non, mais... C'est incroyable ce qui se passe. Ça me fait trop rire. On va s'occuper de lui. Deux flash canons dans sa bouche. Là, le Loclass, il me fait un peu moins peur. Flash canon. Ah, ça le met pas KO. Mais oui, du coup, si j'en perds un... Non, mais attendez, il y a une vraie question qui se pose. Non, non, mais là... Oh non... Bah ouais, mais là, je vais mourir. Lui, je le mets KO, mais... Ah, il est pas KO.
Ah, il en a 6, mais c'est mort. Je peux rien faire. Oh non, je suis dégueu. Ouais, je peux vraiment rien faire. Quoi. Ouais, bah lui. Bah oui, il reste un tour. Je peux pas. Ah oui, mes Pokémon ont disparu. Non, on va mettre KO lui. Et puis. Ah bah là. Bah ouais, j'ai perdu. Écoutez, c'est terrible. Et c'est bugué. Et c'est bugué, super. Putain. Ah ouais, mais c'est ce truc de un Pokémon qui s'est dédoublé, ça a fait bugger. Ah, ils ont pas pensé à ça. Écoutez, on a perdu de toute façon. Le Nuzlocke est terminé, hein, j'ai plus de Pokémon. On continuera, je crois qu'on est pas loin de la fin, donc on continuera. Je vais refaire les combats, j'ai vraiment la flemme. Vraiment une grosse flemme. Mais je vais refaire les combats, j'ai pas le choix. Et puis, puis tant pis. Franchement, Lucario, il s'est battu comme un fou. Mais là, là juste, je peux rien faire. Il fait Requiem. Il n'y a pas d'attaque pour échapper à Requiem. Tant pis. Je vais laisser sur ce bug. Il y a peut-être un nouveau let's play qui commencera. Je sais pas encore lequel. Mais il y a sûrement un nouveau let's play qui va commencer. Merci à tous. Et puis, à très bientôt pour la suite de cette aventure sur Pokémon Source. Sans Nuzlocke, malheureusement. Mais il y aura encore du Pokémon. Allez, ciao.